Alors je compte jusqu'à 3. Ah. Non, c'est moi. Attention. C'est moi, j'ai dit. Attention. 1. C'est moi. T'es énervant, hein? Insupportable. C'est moi qui compte. Attention. 1. Ça va. Allez, j'y vais. Tiens, je vais me cacher. Hé, hey, je vais me cacher, vous me verrez pas compter. 1, 2, 3. Ah, personne m'a vu. Allez-y, le sourire. Pensez à mettre du dentifrice sur la brosse. Alors, il y a un truc, parce que je vais vous prévenir tout de suite, les épreuves. La première épreuve, il va falloir, si on veut ouvrir ce sac magique, il va falloir quelqu'un qui saute très très haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saute très haut? Par exemple, quel est l'animal qui saute très très haut? Le grand gourou. Très bien. Alors, je vais te prendre, toi, grand gourou, viens. Oh, dis donc, t'es un beau grand gourou, toi, hein? Bonjour, comment tu t'appelles? Viens ici. Attends, je prends le micro. Bonjour, comment tu t'appelles? J'entends rien. J'entends rien. Ah bah non, pardon, c'est de l'autre côté, excuse-moi. Pourquoi tu tournes la tête tout le temps comme ça? Hein? Comment tu t'appelles, Grégoire? Grégoire. Alors, Grégoire, tu vas faire un truc comme les kangourous, d'accord? Si tu réussis l'épreuve, nous pourrons continuer notre chemin pour pouvoir ouvrir notre sac et enfin trouver ce qu'il y a dedans. T'as quel âge, Grégoire? 8 ans. T'es sûr? Oui. Depuis combien de temps? Je m'en rappelle plus. Depuis 8 ans. C'est un joueur. Bon, alors Grégoire, t'es prêt? On va faire une petite épreuve. Tu vas te mettre là-bas, on va répéter d'abord. Et tu te mets en position de kangourou. Vas-y, mets-toi comme un kangourou. Voilà, et les mains? Comme ça, vas-y. Et tu vas sauter jusque-là. Vas-y. Voilà. Alors lui, c'est un kangourou du Nord. C'est ceux qui sautent les plus hauts, les kangourous du Sud. Fais-nous le kangourou du Sud, il saute plus petit, va là-bas. Voilà. C'est celui du Sud, ça. Hein? Maintenant, refais-nous le Nord. Vas-y. Magnifique. Alors, maintenant, attention, parce que, oui, oui, vous pouvez applaudir. Hein? Alors, maintenant, tu vas sauter au-dessus de ça. Mets-toi au bout. Si tu n'y arrives pas, on n'aura jamais notre surprise de fin de spectacle. Vas-y. Vas-y. Non, vas-y, pardon. Hein, qu'est-ce qu'il y a? C'est trop quoi? C'est... Ah, pardon, plus bas alors. Comme ça? Ça va, ça. Vas-y. Hein, là, comme ça? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Hein? Oh, du dos! Alors, comme ça, vas-y! Top! Hey, il est fort. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu es venu avec ta femme? Non. Pourquoi tu l'as laissée à la maison? Mamie, parce que j'en ai pas. Ah oui, c'est vrai, c'est normal. Donc, tu n'es pas venu avec. Alors, nous allons essayer de trouver, parce que pour continuer l'épreuve, maintenant, avec toi, il me faut une demoiselle. Est-ce qu'il y a une demoiselle avec des cheveux? Tu es une demoiselle, toi. Alors, attendez, je viens parmi vous. Grégoire, ne bouge pas. Non, bouge pas. Allez là, ta sœur. Allez où, ta sœur? Sarah. Sarah, tu veux le faire? Alors viens, viens, Sarah. Attention, alors là, il va falloir l'applaudir parce que ça va être très dur. Hein. Bon. Alors. Hé, hey, vous savez, il y a un truc, moi, que j'aime bien. Oh, oh, doucement, toi. Hé, hey, t'as entendu ce que je t'ai dit? Pas de vous-vous, hein. Alors, il y a un truc qui est incroyable. Moi, j'aime bien faire du sport. Si. Ça se voit pas, mais je l'aime bien. J'en fais très souvent du sport, ça veut rien dire. Hein. Mais rigole pas, toi. Ça veut rien dire. Alors attention! Et il y a un truc qui est incroyable, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait du sport, on perd de l'eau. Je vais vous expliquer parce que je vois qu'il y en a qui comprennent pas. Regarde, Sarah!
Ça hein, tu vas rentrer dedans. T'es d'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Ça veut dire quoi? C'est de l'eau. De l'eau, voilà. C'est de l'eau, très bien. Alors, tu veux que tu rentres dedans. D'accord? Et toi? Oui, par les pieds. Parce que l'année rentre par la tête, ça va pas. Toi, tu rentres. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Non, soyez pas étonnés, faites pas oh oh. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Non, pas oh oh. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Ah, de l'eau. Voilà, très bien. Vas-y, Grégory. Tu rentres dedans, puis tu vas te mettre à côté de ça. Ça va aller, Sarah? Ça va, t'es sûr, hein? T'es super bien maquillée, toi, aujourd'hui. Allez, Grégoire, tu vas là-bas? Alors, ce que vous allez faire, vous allez faire une course, hein? Vous allez sortir de la salle. Vous faites trois fois le tour de Grex et vous revenez. D'accord? Hein? Vous avez une minute. C'est plus grand, Grex, peut-être, non? Ah, c'est grand? Alors non, alors on vous met une heure, d'accord? Alors, dans ce temps, je vais boire un coup, moi. Allons-y. Vous êtes prêts? Non, on fait pas ça. Vous allez de là et vous retournez là-bas, vous touchez la table. Le premier, pop, il lève la main, d'accord? Et le dernier, il lève le pied. Allons-y. Non, non, dis donc. Tu te mets au même niveau que ça. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Hey, vous pouvez les applaudir tous les deux, monsieur. Non, 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 non. En tout cas, vous avez été géniaux tous les deux. Vous avez fait l'épreuve et c'est ça qui est formidable. Vous pouvez retirer les sacs et vous les poser sur la table là-bas. Et vous allez pouvoir retourner à vos blouses. On les applaudit encore. Alors maintenant, il y a une épreuve qu'on doit faire aussi, c'est un tour de magie. Et là, j'ai besoin d'un autre qui va m'aider à faire ce tour de magie. Si on le réussit, on aura...